Donc l'IFAPME, c'est un centre de formation qui présente une gamme de formation très étendue dans pas mal de domaines. Ici, moi, je travaille plus dans le domaine de la construction. Tout le site ici est consacré à la construction. Et donc, nous abordons des métiers comme menuisier, chauffagiste, électricien. À travers le projet Interreg, nous avons les moyens de développer des nouveaux supports pédagogiques et on voulait s'orienter vers la réalité augmentée. Et par échange, nous avons découvert Nearly. Nearly, c'est une entreprise de réalité virtuelle et de réalité augmentée. On a été fondé en 2017, il y a 5 ans, dans le but justement d'aider au départ le secteur de l'immobilier. Le problème que l'IFAPME avait au départ, c'était en fait que on a une maison qui évolue en fonction du temps. Et puis, à un moment donné, la maison est entièrement construite. Ce qu'on a permis de mettre en place, c'est justement une application 3D en réalité augmentée qui permet de revoir les différentes couches et de jongler afin de compléter finalement le cours du professeur pour ses étudiants. Et ça, c'est la réalité d'un chantier. C'est lorsque toutes les techniques sont mises en œuvre ensemble. Donc, il y a un aspect collaboratif qui doit être développé auprès de nos apprenants. La réalité augmentée nous permet de faire cette première approche. Donc c'est une application qui va fonctionner avec deux types de supports, soit des plans, soit la réalité de la maison PEB. Et donc avec une tablette, nous allons pouvoir visualiser cette maison soit dans un état plus avancé, avec des techniques injecté, soit si on part du plan, dans un format développé, donc on verra la 3D à partir d'un élément 2D. Si on va à l'extérieur du bâtiment ou si on a d'autres applications, ce sera important d'avoir une connectivité stable avec très peu de latence. Et c'est là véritablement que la 5G va permettre d'apporter cette connectivité, cette rapidité qui sera donc importante pour l'application à l'extérieur. Alors la collaboration avec Orange se passe très bien. Nearly, fondamentalement, on est une petite équipe, on est 4-5 personnes. Et donc le fait d'avoir une équipe très agile mais qui connaît son secteur très bien, les expériences immersives, nous permet justement de collaborer de manière efficace avec Orange sur leur partie qu'ils maîtrisent, c'est-à-dire les communications, la 5G. Et c'est vraiment en combinant justement les complémentarités d'Orange et de Nearly qu'on est en train, selon moi, de créer ce qui n'existe pas encore, c'est-à-dire le streaming d'applications de réalité augmentée via la 5G.